la mythologie égyptienne, le dieu Osiris a unifié les royaumes et régné sur toute l'Égypte en défendant la paix et la justice. Jusqu'à ce qu'il soit assassiné par Seth, son usurpateur de frères. C'est la déesse Isis, femme d'Osiris, qui découvrit le corps sans vie de son époux. À l'aide de la magie contenue dans le sceptre d'Osiris, elle le ressuscita juste assez longtemps pour qu'il lui donne un fils, Horus. Quand Seth apprit la nouvelle, il déroba le sceptre et s'en servit pour emprisonner Isis et Horus. Puis il s'empara du corps réanimé d'Osiris, le découpa en morceaux et le dispersa aux quatre vents, jusqu'à établir son règne absolu sur l'Égypte. Tandis que son royaume déclinait, il descendit dans les enfers de la droite pour étancher sa soif de pouvoir. Mais seul Osiris possédait le pouvoir d'en revenir, et sans le sceptre, Seth se retrouva piégé pour l'éternité. Le temple d'Osiris resta fermé des milliers d'années durant, jusqu'à ce que je découvre un moyen d'entrer. Mais je n'étais pas seule. Carter Bell, un archéologue en pleine ascension, était également à la recherche du sceptre. Le sceptre perdu d'Osiris était à l'intérieur. Nous étions tous deux si proches du but. Carter, attendez! Ah, pas cette fois, Croft! Trop tard, le sceptre était en fait un appât et le temple une prison. Carter et moi étions pris au piège. Merci pour votre aide, voyageur. Vous nous avez libérés de notre prison. Mais à présent, vous portez la marque du jugement. Votre temps est compté. La droite, le royaume des morts, vous attend. Je suis Isis, et voici mon fils, Horus. Nous sommes les deux derniers dieux anciens à nous être opposés à Seth. Si vous voulez survivre, vous devez vous échapper du temple et trouver les fragments d'Osiris. Eh ben salut à tous les amis, c'est One2. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, pour la découverte de Lara Croft and the Temple of Osiris. C'est ça, voilà. Et je suis avec Nono, hein, comme d'habitude. Comment ça va mon Nono? Ça va super, ce samedi soir, au top du top. Exactement, exactement. Donc petite présentation habituelle du jeu, hein. Yes. Donc c'est un jeu d'action-aventure qui a été édité par Square Enix, développé par Crystal Dynamics. C'est sorti le 9 décembre 2014 sur PC, PS4 et Xbox One. Et jamais la vue. Bah, comme d'habitude. Toujours pas. Voilà, hein. Toujours pas. Voilà, donc c'est la suite du premier. Qui était sorti ouais, sur PS3 et 3.6. C'est ça, si exactement. Bon, nous, on l'avait pas fait du tout. Hein. Non. Du tout. Donc là, ça va être plutôt une vidéo découverte parce qu'on lance le jeu en même temps que vous découvrez, on découvre le jeu en même temps que vous en fait. Voilà. Alors on a juste lancé une petite partie juste avant pour voir les boutons. Voilà, c'est ça. Et on n'a pas compris grand chose. Non, mais on va faire au feeling. Parce que moi, avec mon bâton, moi je suis Isis, hein, voilà, je suis avec mon bâton lumineux, je ne sais pas à quoi ça sert. Et moi je suis là à. Voilà. Là, grappin, donc voilà, super. Et ça sert alors, à quoi? Alors tranche la tête. Vas-y. Voilà. Donc c'est un jeu. Coop, solo. Là, le premier, on pouvait le faire qu'en coop. Le premier, oui, le premier était. Non, tu peux le faire en solo et en coop. Mais enfin, c'était un jeu. C'était la coop en réseau. C'était. Comment? C'est plus. C'est un jeu plus à faire en coop que solo, de toute manière. Bon, par contre. Tu sens la dalle au milieu, là? Ouais, ouais, je sens qu'elle bien. Pue. Bah, attends, déjà, attends, moi. J'y vais. C'est toi qui balance ta torche, ok. Lara et Carter. Ok, et moi, je sers à quoi? Ah, d'accord, faut que t'allumes. C'est fait. Bah, moi, je peux pas allumer, moi. Voilà, donc c'est une petite découverte rapide hein, du jeu, je sais pas comment ça va se passer. Ok, c'est de la plateforme. Attends, il y a des objets là-bas, attends. Vas-y, là-bas? Ouais, il y a des objets, récupère. Ah, mais là aussi, il y a plein de. Faut fouiller, vas-y, rien. Vas-y. Argent! Argent! Ah, mais je suis trop con, je me fais péter avec ma mine. Oh, bah je l'ai fait juste avant. Ouais. T'inquiète pas. Voilà, donc c'est vraiment. Et ça se joue tout le temps comme ça. Et c'est bien pensé, là on est sur la même console, on n'est pas en réseau. Ouais. Donc c'est pas plus mal. Et la caméra, t'as vu, elle s'adapte à la distance du personnage. T'es pas limité au niveau de l'écran, il y a des objets là aussi. Et t'as vu, tu peux pas chuter. Du moment que tu ne sautes pas, tu ne peux pas chuter. Voilà. Voilà, voilà. Et je t'avais dit. Non, c'est bon, je peux réapparaître. Voilà, mais du moment que tu ne sautes pas, t'as vu, t'as des murs invisibles. C'est pas plus mal. Mais c'est bien orienté plateforme apparemment aussi. Donc, et bien orienté aussi récolte d'argent et ouais, de récolte d'items. En voilà, je pense que cette monnaie sert à acheter des améliorations pour les personnages.
Bon, on verra. De toute façon, on va vous faire juste le premier niveau si c'est pas trop long. Hein, parce ouais. qu'on est... on vous fait ça assez pressé parce qu'on a d'autres choses à faire ce soir. Voilà, c'est donc, ça. Donc, on espère. Il y a des objets aussi à récupérer. Ah, mais faut sauter, d'accord. Putain, faut sauter aussi. Une jar. Ah, d'accord, tu peux me violer avec ta bombe. Ouais, il y a une Jar Jar Binks. Ah, putain. Il y a quoi? Les connaisseurs comprendront. Je suis pas un connaisseur, c'est que tu veux me dire. C'est Star Wars, tu connais pas Jar Jar Binks? Mais j'aime pas Star Wars. Missa dit ça. Ah, vas-y. Ah. Et qu'est-ce qu'il faut faire? R2. On est mort? Hein? On est mort ou pas? Bon, désolé, le game... Non, on comprend rien du tout. Ah, putain, sec. Bon, il y a... Je trouve que le jeu, il est pas très très fluide, comme je le disais tout à l'heure, là, qu'on a vu. Ah bon, on est mort. On est mort, d'accord. Donc, on n'a pas pris en compte aussi tout... Bon, on s'en fout de la récup, hein, des objets. Ouais, tu sais quoi, ouais, on va rusher. Alors... Mais il faut que ce soit toi qui le fasse, par contre. Ah ben... Ah non, mais je peux tirer comme ça, d'accord. Ah, mais c'est cool! Et moi je peux pas tirer. Tu vises avec le joystick et tu tires avec R2. D'accord! D'accord, fallait tirer dessus. Ok. Ok, donc voilà, j'ai appris à tirer. C'est cool. Ah ouais, mais oui, c'est carrément la détonation. Voilà, tu vises avec le joystick et tu tires avec R2. D'accord, enfin bref, allez. Là je fais avec mon laser de spermatozoïde. Là, c'est bah ça, c'est, ça marche carrément bien en tout cas. Alors, hop. Pour récupérer les objets. Et moi, faut que j'aille de l'autre côté. C'est ce qui est logique. Hein. Ouais, c'est ouais. Des énigmes à la. Ah, foutre! Je récupère les pièces, moi. Et on peut faire des roulades aussi, c'est assez bien ça. Ouais, avec rond. Ouais. Donc là, maintenant, faut. Et faut faire quoi? Attends, une fois qu'il ouvre, vas-y, tire. Bien joué. Encore, encore. Ouais. Ah, d'accord, faut le détruire. Bon, apparemment, ça a l'air assez nerveux. Ça, t'as vu, ça s'enchaîne super vite, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Merde, non, les, non oui, les roulades sont sous carré, carré. Sur. Roulades sous carré. Bon, par contre, on glisse. Ouais. On dirait Anubis. Est-ce que c'est Anubis? On dirait un pubis. Est-ce que c'est un pubis? En effet, on est. Un pubis parce qu'il est tout seul. Non, c'est un anu. C'est un anu. Un anu. Ah putain. Désolé. Ouais, c'est sûrement Anubis. Anubis est toujours représenté de cette façon-là. Mais pendant que vous croupissiez dans votre prison, j'ai maîtrisé les secrets de la loi. Sans déconner, c'est pas beau. Hein. Non. C'est vraiment. Et pas on beau. Est sur PS4. Hein, ah, franchement. C'est pas beau du tout. C'est. De toute façon, on n'aura pas grand chose à dire sur le jeu parce que nous on connaît pas, on connaît pas le premier. Ah, des ennemis. Vas-y, je prends celui-ci. Sur droite. Ouais, bah ouais, tu prends les autres. D'accord, je vois l'ennemi. Bon, j'arrête de tirer, je prends les objets. Oh, putain, c'est de la vie. D'accord. Donc là, j'allume. Ouais. Hop. Et. Et bon, il faut dégommer ça là, non? Ah oui. Putain, la visée, elle est chaude. Mais. Isis sert à ça en fait. Tu vois, là on est vraiment que deux. Et en fait, pour jouer avec les 4 personnages, faut vraiment avoir 4 manettes. Ouais. Et quand t'es en solo, tu joues vraiment tout seul en fait. Mais je montre si en solo tu peux pas switcher de perso. Ok, récupérer 5 crânes. Et. Là, faut faire quoi là? L2. Ah bah oui, c'est moi, d'accord. Salut. Ouais, sympa. Ah, mais c'est vraiment super. Par contre, ouais. Les touches sont très intuitives. Je trouve que ça réagit assez bien. Ouais, ouais, ouais. Là-dessus, oui. Donc alors, Lara et Carter peuvent s'accrocher aux anneaux dorés avec R1 et escalader les murs d'appel. Attends, voilà. Moi, R1, c'est un bouclier, hop. D'accord. Bah, putain, il me donne de la vie, il me le met au-dessus d'une flamme. Tu vises le grappin qui brille au-dessus, là. Le petit crochet. Yeah. Voilà, ouais, et bon. Tu montes avec non, R. Non, non, non. Et là, je t'attrape. Et moi, je monte. Ah. C'est énorme. C'est excellent. Ah, c'est vraiment un jeu en coop à fond la caisse. Hein. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, oui, il a été fait pour. Hein. Double saut ça. Non. Merci. Attends, je t'attrape. Comment je fais moi? Bah, faut que tu m'attrapes merde. D'accord. Voilà. Ok. Ah ouais, c'est vraiment. J'allume. Hop. Attends. Putain. On a les mines aussi. Hein. C'est assez sympa. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça a une bonne portée mon truc. Bon, moi je peux enchaîner les ennemis. Donc là, tu vois encore que tu montes. Avec ton grappin, t'as pas de grappin là? Comment on fait? Alors. Tu
peux monter sur ma tête? Ouais. Mais ça marche pas. Allez. Si si, faut que tu montes sur moi. Ouais, ouais je pense que c'était pas comme ça que... Ouais, ouais c'est bon. Bon, on est des puissants. Ah, hein. Donc je t'ouvre. Ouais, c'est vraiment... Je me demande, attends, s'il y a pas un truc... Au-dessus, là. Je sais pas. Attends. Pas moi, là. Viens là, mon coco. Non, y'a rien, là. Bizarre. On va pas sauter dans le lit une troisième fois. Une deuxième fois. Non, y'a pas grand-chose. Allez, Kersos. Pour esquiver en roulant. Ok. Ah, je l'ai pas pris. C'est quoi, ça? Ah, c'est pas tiens. Tiens, ton piège. Ah, ouais. Argent ? Il y a de la vie. Oula. Si tu veux. On en prend un chacun. Prends, je suis à fond de toute façon. Hop. Je prends là-dessus. Ah, faut poser la bombe ici. Attends, attends que. Attends ! Mais t'es un taré, toi ! T'inquiète. Ah, oui, non, j'avais plus de vie. Allez, venez, les gars, venez. Mais c'est con celui-là, sérieux. Attends, ski. Recule, 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 bien joué. Les mines, c'est trop bien en fait. Tu te sers que de ça, quoi. Tu fais du kiting aux ennemis. Ah, ça, on a pas besoin. Hop, on allume. On allume. Mais toi, tu peux pas allumer? Non. C'est dommage. Je sais pas à quoi ça sert. Alors. Faut que tu attrapes ça, là. Attends, R1 pour accrocher aux anneaux, ouais. Les autres personnages, j'avais. Ah mais d'accord, oui, non, ça va, j'ai compris. Alors. Attends, vas-y, je vais récupérer le bonus de santé par contre. Tu utilises le grappin et je vais récupérer le bonus. Tu tires sur le mur là-bas. Je peux pas. Ah putain, tu peux pas. Non, bah je sais pas. Ah, qu'il est con. C'est quoi la touche pour réapparaître? Crois, crois, crois. Okay. D'accord. Attends, je te monte dessus. Quel connard. Elle est bien. Ah sérieux. Putain. Ah, les big fail quoi. Et après ouais je pense que tu pourras. Moi je dois faire quoi? Les grappins, fait... vas-y accroche-toi, balance le grappin sur moi. Ouais bah ouais. Voilà. Sérieux. Ah, il y a des vies? Ah mais non en fait, non, ta vie c'est ton score. Et quand t'as plus de score, ouais. Je pense que c'est fini quoi. Vas-y accroche-toi à moi. Voilà. Ouais et. Et tu tires avec R1, toi. Bah oui. Les oh. Grappins peuvent être accrochés aux autres personnages. Et ouais. Et si tu sautes? Non. Bah ouais, non, bien sûr que non. Mais comment ça marche? Attends, je vais passer là-bas. Vas-y, là, tu pourras. Là. Ouais, là, ouais, c'est ça. Voilà. Nickel. Il faut être au même niveau que l'objet. D'accord. Ouais, on coffre encore, heureusement. Je vais péter les pièges. Merci pour pas nous donner. Voilà. Je vais mettre la torche. Ah, ça donne des thunes quand tu allumes des torches. Ouais, enfin des thunes, des. Des points. Du score. Ouais, c'est du scoring et franchement, tu dois avoir des niveaux de. Ça doit être du scoring. Le jeu, je pense. Hein. Bah c'est tout, il n'y a pas d'amélioration. Alors, les anneaux appliquent des effets à votre personnage. D'accord, donc t'as quand même des équipements. Ah, t'as un petit... Oui, comment appeler ça? Un inventaire, un arbre, enfin non, pas un arbre. Hein. Si, ouais, c'est un arbre de compétences. Non, c'est un arbre de stuff, là. Après, t'as ah la... oui, c'est un arbre de stuff, ouais, exact. Ouais. T'as vu, tu peux avoir 3 armes, 4 armes différentes. Des anneaux, un pendentif, et puis... Dégâts des armes. Hop. Une armure, d'accord. Ah, mais l'anneau est pour nous deux. Ouais. Ok, moi je suis prêt. Tu fais rond. D'accord, tu peux même changer la tenue. Oh, tu peux pas la mettre toute nue, c'est con. Le gros pervers. Hop, hop, ça on en a pas besoin. Allez, let's go. Attends, il y a un petit truc. Voilà. Donc en fait, ouais, c'est vraiment lié à la coque. Oh putain. Mais vas-y, tu le sens le saut. Ah, vas-y, dégomme-les. Les ennemis vont apparaître, hein, je pense. Hein. On peut les tuer. C'est bon ça. Les objets, ils tombent. Attends. Non mais ouais, on va retourner par là et on va là. GG. Aïe. Aïe. T'as pas les tuer. Jeter 3 squelettes. Ouais bon, alors, les défis comme ça on s'en occupera, hein. Hors vidéo. Hors vidéo parce que franchement ça a l'air bizarre. Ah tu peux pas passer par-dessus, d'accord. D'accord. Hop, 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 hop. C'est complètement foiré. La vie. Ah putain.
Ah bah voilà, c'est ça. Merde, je vais peut-être réussir le défi. Ah merde, j'arrête de me... je suis trop con. Ouais. J'y vais quand... Attends, il faut que j'arrive. Attends, c'est quoi ce machin? C'est pour moi, ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite. Oups. Quoi C'est quoi ces pièges de merde? Ah, je vais crever. Moi. Accroche-toi, vas-y. Et moi, je monte. Mais tu te mets là. De ce côté-là, voilà. C'est un peu dirigé, vraiment, parce que... Ouais, ouais, là, bref. Vaut mieux. Okay. Ça tourne. Ouais, donc c'est vraiment orienté quoi. Donc là, faut que hop, tu reviennes. Ouais. Mais c'est. Le jeu est fluide sans être fluide, je trouve, parce qu'il y a des... quand il y a trop d'effets à l'écran, ça va avoir... il va avoir des petits ralentissements. Des petites saccades. Tu vois, beaucoup de... tu vois la fumée là, par exemple, le nom là, moi. Et c'est de la PS4. Mais là, moi je pense qu'on dirait de la PS3, hein, sincèrement. Ouais. C'est pas beau. Hein. Enfin bon, un jeu comme ça, tu demandes pas d'être beau, tu demandes que ça soit fun à jouer en peu. Et fluide aussi. Et franchement, c'est... pour l'instant, c'est fun. C'est fun. Comme ça, crocodile avec des cheveux. Sérieux? Vous êtes sérieux là? C'est un crocodile mélangé à je sais pas quoi. Il faut courir! Let's go! Il faut. Toulouse! Ah ouais, on n'a pas sauté au bon moment. En plus, on était du côté gauche alors qu'il fallait être du côté droit. Ouais. Mais sinon, c'est sympa à jouer. C'est assez. C'est vraiment de la coop pure et dure. Mais voilà, faut pas être tout seul. Ah non, parce que tout seul, tu fais chier. T'as les roulades, tu vas plus vite, quoi. C'est n'importe quoi. Oh putain. On saute. Là, c'est dessous. Roulade. Yes. On saute dessus. Oh, mais ça se passe bien pour l'instant. Ouais, on est mort 4 fois déjà. Ah, ah. Une MP5. Ah. Yes. Donc, là, je sais pas à quoi ça sert ça. Il y a pas mal de choses. Et il y a quand même. Ouais. Oula. Attention. Putain, je vais allumer toutes les torches. Hop. Hop. Là, il y en a une à droite. Hop. On peut saisir les objets et déplacer. Ah putain, oui, allez, c'est parti. Et roulez boulet. Allez, roulez boulet. Est-ce que c'est carte vraiment à fond à quelle heure? Ouais, non, au bout d'un moment. Franchement, j'admire la puissance de Isis qui pousse une boule dans les escaliers. Mais là, dans la. À droite, à droite, à droite. Dans les... Ouais, ouais. Ah, c'est là? Ouais, je pense. Ouais, t'as raison. J'ai. Et deux, une. Hop. Alors, attends, est-ce que. Là, maintenant, faut que je monte. Ok. Attends. Ça sert à quoi? Vas-y. Viens. Putain de. Ah, est-ce que je peux? Vas-y, redescends. Saute à droite, là. Sur le. Sur le. Les... La sur celui-là là-bas? Voilà, celle du dessus. Attends, je veux juste voir un truc. Non. Non, tu peux pas. Voilà. Et faut tailler à droite après. Et tu pousses la boule. Tu la pousses en bas. Et allume la torche aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, ouais, c'est juste pour des points. Et attends, attends, ramène la boule par là. Est-ce que tu peux sauter dessus? Ouais. Nickel. GG. Donc là, la deuxième boule, c'est pour la mettre à droite. Pour voilà. Ici, hein, ouais, c'est vraiment un jeu axé sur les énigmes. Elle est à 90% et le reste, c'est de la plateforme. Quoi. Ouais, non, c'est du 70-30. Allez, vas-y, c'est bon. Ouais. Ouais, les nouvelles armes consomment des jauges et munitions. Je vais passer du arme à l'autre avec le pavé le pavé oui. Mais moi j'ai pas de munitions. Ah, mais non, besoin de munitions. Tac tac, je vais mettre sous flèche de bord, on s'en fout. Hop hop. Même moi je peux utiliser des oh, bah, écoute, hein. Ouais, j'ai une mitraillette. Ah oh, la vie qu'il donne quoi. La visée est trop sensible. Ah ouais? Hein. Il y a une torche là. Tiens. Attends. Il est prêt. De toute façon, on va essayer de finir le premier niveau, mais on n'en fera pas d'autres parce que. Non, non, on n'ira pas plus loin parce qu'on on doit se barrer, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Oh. On vous fera un unboxing aussi parce que oui, c'est la version collector que j'ai pris. Mais j'ai plus de batterie dans ma caméra et j'ai pas le chargeur. Il est resté chez ma chère maman, pour tout vous dire. Donc voilà quoi. Donc je vous ferai ça la semaine prochaine avec Nono. Ouais. Et puis voilà.
Oh. C'est le boss? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, faut descendre là, d'accord. Okay. Il y a des torches là aussi. Ouais, mais c'est quoi, vas-y, rush. Tu veux rusher? Ouais, ouais, rush. C'était quoi? Ça fait déjà 20 minutes. Hein. Ouais, bah, le premier niveau en plus. Bon, là, il va y avoir un boss. Ce serait bien qu'on ait un boss avant la fin de vidéo. Comment on fait pour les tuer? Alors, attends, tu vois, la côte elle veut pas grimper. Ah, ouais, d'accord, ça vise. Ça vise automatiquement. Bah, moi pas, y'a que toi qui peux faire les ennemis en l'air, j'ai l'impression. D'accord. Je me cours. Qu'est-ce qu'il veut lui là? Et oh. Ça peut choquer un. Ça peut faire des dégâts. Hein. Hop, 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 hop. Laisse-les venir. C'est quoi ça? Munition. Ah ouais. Ouais. Ah, d'accord. On a non. Une voilà. Yes, j'ai. Tac, tu te mets de l'autre côté, je te rechoppe. Ouais, t'avais besoin de munitions par contre. Ouais, refais ta boule bleue. Tu sais, comme. Voilà. Je pense que c'est pas la meilleure façon. Mais bon. Non, mais je pense pas non plus, mais écoute. Hein. Parce qu'on va le refaire de toute façon. Enfin, quoique, va savoir. C'est peut-être ça. Hein. Viens là. Mais. Et oh. Mais t'es sérieux toi? Vas-y, tiens-moi dessus. Je pense qu'on est passé une aversion. Il faut partir. Vite. Ouais. Ça c'est pour toi. Hop. Argent. C'est R2, ouais. L2. Ok, donc là il y a juste. Ah, là-dessus. Voilà, allez, go. Le boss ou pas? Ah, c'est le boss. Ah, ça serait bien qu'on finisse là-dessus. Un crocodile avec des cheveux, mais ça. Pitié quoi. Ouais, c'est vrai que ça se. Allez, go. En reculant. Et en évitant les pièges. Ah, faut courir. Je suis mort et je peux pas réapparaître. Ah si, je peux réapparaître. Yes! Yes! Allez! Oh, ça va, c'est easy. Je fais une pointe. Oh, chaud! Ouais. J'ai foiré. Pas, j'ai fait ça. Pas compris, je comprends rien. Ah, c'est pour choper le truc au-dessus là, bonus de munitions. Allez. En dessous. Non, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Putain. Mais je suis encore remords. Oh. Aïe aïe aïe. Hop, on fait péter ça, c'est pas grave. Aïe aïe aïe. Ça passe. T'es où gros? T'es encore mort? Ah non, je suis là, regarde. Ah ouais. T'es sur moi, ça craint un peu. Ah non, j'étais mort. Je vas-y. Spawn. Bout bleu. Et, hop. Allez. Ah ouais. Bah voilà. Pas tout, il peut pas nous avoir hein. Et bah ben, elles font les malignes au bord et tout ça, je ferais pas le malin moi par contre. Ouais. Bon par contre Lara Croft a bien sa tenue des anciens Tomb Raider. Ouais. Hein. Le petit haut bleu avec le petit short. Et ben voilà. Donc, premier niveau terminé. C'est comme si j'avais le jeu. Ouais. Bah tant mieux. Espèce de lâche, tu n'iras nulle part. Ouais non mais enfin c'est. Si. Allez on fait un point vite fait. Graphiquement c'est moche. Enfin c'est moche. Ah bah clairement. Qu'on se comprenne, hein. C'est pas dégueulasse non plus, mais enfin. Bah pour de la PS4, c'est pas digne. On s'attendait quand même un peu à mieux. La jouabilité c'est aux petits oignons. Ah mais on a le deuxième niveau là. On a plus de. On a réinitialisation du score, donc on est vraiment. Ah bah ouais. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Hein. On peut pas faire un avancement sur la caméra, c'est dommage. Sur les... Non on peut pas. Non. C'est dommage. Mais voilà. Donc ouais voilà, la jouabilité est vraiment aux petits oignons, c'est vraiment à faire en coop apparemment, le faire tout seul ce sera un peu trop la galère. Non mais c'est assez fun. Et ouais c'est fun à jouer, donc bah on fera pas de test dessus je pense pas, mais ouais, on vous fera l'unboxing donc samedi prochain. Ouais. Cette vidéo sera en ligne demain, donc le 14, dimanche 14 décembre dans l'après-midi logiquement, le temps que je fasse le montage et l'upload, si ma connexion veut bien marcher. Et puis, sinon, prochainement, si on vous fera peut-être une vidéo sur GTA V PS4. Ouais, moi j'essaierai de vous faire.
Dragon Age. Il faut que je fasse Dragon Age parce que j'en suis à une centaine d'heures de jeu et vu que là j'ai bien retourné le jeu, donc je pense que je vous ferai une vidéo assez complète dessus, un vrai test. Au pire, je le ramènerai chez toi, ouais, je prendrai mes sauvegardes. Ouais, exactement. Et on fera une bonne vidéo d'une bonne trentaine, quarantaine de minutes. Ouais, je sortirai même la petite heure dessus. Parce que là, il y a vraiment énormément de choses à dire sur ce jeu. Donc pour moi, qui est le dans le top 3 des jeux de 2014. Si ce n'est le meilleur jeu de 2014 pour moi, parce que cette année a été. 2014 a été pauvre. Hein. A été pourri, donc pour moi, c'est un excellent jeu. Voilà, sinon après, on attend les jeux. Ah oui, peut-être de la coop sur Far Cry aussi, on fera une vidéo coop. Un peu déconne, ça sera un peu de la déconne. Ouais, voilà, ce sera une vidéo délire, parce qu'il y a moyen de se marrer. Bah, peut-être pour le jour de l'an, une vidéo spéciale jour de l'an, même si ce sera pas le jour de l'an même qu'on la fera, mais on vous la balancera. Ouais, voilà, on fera peut-être ça, exactement. Pas con, voilà. Et sinon, après, on attend les jeux de 2015, quoi, qui va être super chargé avec des putains de bons jeux. Donc là, moi j'ai hâte d'être 2015 pour voir les putains de jeux. On va pas faire de plan sur la comète non plus, on verra de toute façon. Ouais, mais bon, t'as déjà Bloodborne, The Witcher 3, mais bien sûr. Déjà rien que c'est. Non, mais parce que je nous connais, à chaque fois qu'on annonce qu'on fait une vidéo, on la fait pas. Ouais, bah oui, DuckTales, on l'attend toujours aussi. C'est un rat, DuckTales. Oh merde. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, likez, partagez, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et puis on vous fait plein de bisous et on se retrouve une prochaine fois. Oui, avant Noël, j'espère. Avant Noël, et puis voilà. Des bisous à tous, plein à très bientôt. Bisous les enfants, ciao. Ciao.